Je reviens rapidement sur la prédestination. I come back quickly on predestination. C'est la doctrine sur la prédestination. The doctrine about predestination. C'est d'abord pour notre édification. It's first of all for our edification. C'est pour enlever les zones d'ombre, les zones d'incompréhension dans l'esprit. It's to remove the place of darkness in our mind. C'est pour avoir des armes pour évangéliser. It's to have weapons and arms to tell the gospel. Et c'est pour comprendre la justice de Dieu. And it is to understand the righteousness, the justice of God. Je reviens sur la définition. Vous notez ceci. Write it down. La prédestination. Predestination. Et la décision de Dieu. Is the decision of God. Déterminant la destinée temporelle et éternelle des créatures. To define the eternal destiny of creatures. La prédestination et la décision de Dieu. Is the decision of God. Déterminant la destinée temporelle et éternelle des créatures. To determine the eternal and the temporary destiny of creatures. Elle est le but. It is the goal. Voulu par Dieu. Planned by God. Elle est le but voulu par Dieu de toute éternité en ce qui concerne le salut ou le rejet des individus. Regarding the salvation or the rejection of individuals. On a vu que l'élection. We saw that election. C'est quand Dieu opère un choix. Is when God makes a choice. Le choix d'un individu. The choice of an individual. Ou le choix d'un groupe. Or a group. Pour lui confier une tâche. To give him a task. Dans l'histoire. In the history, ou en relation avec la fin des temps. Or related to the end of the times. Donc Dieu peut entrer dans cette salle. So God can enter this hall. Il choisit le comité d'organisation. He chooses the committee of organization. Et il commence à nous dire ce qu'il faut faire. Ils sont des élus. And he start telling them what to do. Pour une tâche, pour une œuvre. For a work or a task. Dieu peut prendre un frère. God can take a brother. Il l'établit comme dirigeant d'une assemblée. He set him as a leader of a church. Apparemment, c'est comme si c'est les hommes qui l'ont placé, mais c'est le fruit d'une élection. L'élection fait concourir les choses jusqu'à l'accomplissement du dessein de Dieu. It looks like he has been settled by human being, but he has been settled by God. Dieu disait aux enfants d'Israël, j'ai délivré les Syriens de Kaphtor. God told the children of Israel, I've delivered the Syrians from Kaphtor. Je vous ai délivré de l'Égypte. I delivered you from Egypt. Donc, deux peuples délivrés. God can deliver. Et un devient le leader du monde. And one becomes the leader of the world. Ça c'est l'élection. This is election. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, pour la prédestination, so for predestination, Dieu a tracé des voies éternelles. God has made eternal ways. Des voies qui conduisent à des endroits précis. Ways that lead to precise places. Et c'est surtout en rapport avec le salut des hommes. And it is related with the salvation of human beings. Si l'homme, if a man, ou alors pour résoudre cette question, tu te poses la question, Dieu a créé l'homme pour quel but? So to have to answer the question, you just ask yourself, for which goal did God create human beings? Ce but-là est une destination. This purpose is a destination. Et l'action par laquelle Dieu définit cette destination est la prédestination. And the action by which God defines il définit destination donc la destination avant, longtemps avant. Is the predestination. It means that he defined the way long before. Lis pour nous Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Amen. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and all over the creatures that move along the ground. Amen. Donc, so, dans la pensée de Dieu, in the thought of God, c'est pour cette raison qu'il est dit, nous allons le voir dans Romains, c'est qu'il a connu d'avance. Dans la pensée de Dieu, in the thought of God, l'homme est déjà conçu comme celui qui doit venir dominer sur la création de Dieu. The human being is already conceived as the one who will come and rule over the creation of God. Il est bon de le savoir. It's good to know. Pourquoi? Why? Parce que certaines personnes peuvent croire que il y a des gens qui ont été créés pour aller à l'enfer. Because some people can believe that there are some people who have been created to go to hell. Et que les autres seront sauvés quelle que soit leur conduite. The others will be saved no matter their behavior. Donc pose-toi la question. So ask yourself. Si tous les hommes viennent d'Adam, if all mankind come from Adam's, ne faut-il pas comprendre que tous les hommes furent prédestinés à devenir semblables à Dieu? Can't we understand that all the human being was predestined to be like God? Parce que Dieu dit que l'homme sera selon sa ressemblance. Human being will be like him. Et après cette bénédiction, and after this blessing, Dieu dit à l'homme, God tells man, ne fais pas ceci. Don't ne mange do that. Pas de cet arbre. Don't eat from this tree. Si tu le fais, tu vas mourir. If you do so, you will die. C'est là une autre destination. This is another destination. La première, the first, c'est dans la conception, dans la pensée de Dieu. Was the thought of God. Quand Dieu conçoit la mission, le but éternel pour lequel il envoie l'homme sur la terre. When God plan, when God make the eternal goal of human being on earth. L'autre destination, c'est que si tu n'obéis pas, tu ne seras pas libre. Tu vas mourir. That if you don't obey, you won't be free and you will die. On peut donc dire que on est prédestiné à vivre avec Dieu éternellement si on obéit, et on est prédestiné à aller à l'enfer si on pêche. So we can therefore say that we are predestined to live with God eternally if we obey, and we are predestined to go to hell if we don't obey. Donc vous notez que so write that. Les croyants sont destinés à croire en Christ. So the believers are destined to believe in Christ. À devenir comme Christ. To become like Christ. À devenir semblable à Christ. To be at his likeness. Lis pour nous Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Donc, so, tous les hommes, all human beings, tous les hommes, all human beings, sont connus d'avance, are foreknew by God. Et Dieu les appelle. And God calls them. Quand ils répondent à l'appel de Dieu, when they reply to his call, Dieu leur demande d'être semblable à son Fils. Donc God Dieu leur demande them, de vivre une vie morale conforme à la vie de Jésus. God asks them to be like his son, to live a life which is conformed to the life of Jesus. Il a connu d'avance. He has foreknew them. Il a appelé. He called them. Il les prédestine. And he predestined them. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Que l'homme est libre. A human being is free. Écoutez ça très bien. Listen it carefully. Vous savez, les païens, quand ils veulent faire le mal, ils ont des doctrines. You know, when pagans want to do evil things, they have doctrines. Certains païens, ingénieurs, ont su que la crainte de Dieu peut freiner l'homme so à verser le sang, peut empêcher les hommes
à verser le sang. Has understood that the fear of God can prevent human being to shed blood. Donc qu'est-ce qu'ils font? So what do they do? Créent des pensées, des raisonnements. They create thoughts. Dans le but de détruire la conscience de l'homme. In order to destroy the conscience of de human being. De tuer sa conscience. To kill his conscience. Et il y a donc une mauvaise manière de définir la liberté de l'homme. So there is a bad way of defining human being freedom. Qui ne fait même pas allusion à Dieu. We does not even take into account God. Ainsi, beaucoup pensent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. And many think that they are free to do what they want. Il y a deux destinations. There are two destinations. Tu obéis à Dieu, tu iras au ciel. You will go to heaven. Tu travailles pour être comme Jésus. Si tu meurs, tu vas directement au paradis. You work to be like Jesus. If you die, you go directly to paradise. Si tu dis je m'en fous, if you say I don't care, je suis libre, I am free. Tu meurs, you die, tu vas dans le lac de feu. You go in the lake of fire. J'ai dit à quelqu'un qui vous a même dit, il y a des petits enfants dès qu'ils font la terminale, ils apprennent un peu la philosophie, ils pensent que ils sont libres. There are small boys or kids who are in terminal and they do small philosophy. They think that they are free. Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées. God says my thoughts are not your thoughts. Vos voies ne sont pas mes voies. Your ways are not my ways. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Tu dis ah c'est Dieu, n'est-ce pas, c'est Dieu qui appelle, c'est lui qui condamne encore. Oui, il est souverain. Pourquoi tu veux penser le contraire? Il est souverain. God is sovereign. Il peut fabriquer, il peut prendre une masse d'argile, il fabrique un pot, il casse encore, il reprend. Il est souverain, nous he sommes son ouvrage. He can do and undo. Et ça fait partie des pensées fondamentales qu'il faut inculquer dans l'esprit de l'être humain, que Dieu fait ce qu'il veut. It is one of the pourquoi core veut-on we must lui refuser ça alors for. Que c'est lui le créateur? God does what he wants. Ça c'est la vanité de la rébellion humaine. This is a vanity of rebellion. Proclame ta liberté. Proclaim your freedom. Mais tu vas rendre compte à Dieu. But you will give accountability to God. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Frère, un homme n'est pas libre, s'il vous plaît. L'homme n'est pas libre. Human being are not free. L'homme est un serviteur. Human being is a servant. Que Dieu a élevé par amour extrême. Who God has lifted up by extreme love. Il a dit, j'ai créé l'hippopotame. Il est comme toi, il mange l'herbe. He said, I created the hippopotamus. He is like you and he eats the weeds. Et toi, petit comme ça là. And you. Tu dors dans les palais, tu dans small, les avions. You sleep in tu palaces. As le costume. You tu put as, on les chaussures, street, les you venus. Have shoes. Et l'hippopotame, depuis sa création, and il a tous les jours les herbes. Is les herbes. Always eating. Seed, weeds. Donc tu prends la salade, tu coupes l'oignon, tu mets vinaigre. Take salad, onion, vinegar. Tu t'assois, tu goûtes. You sit and taste it. Tu mets un peu de jus, tu bois. Pourquoi? Que tu as pris ça où? Where did you learn all that? C'est Dieu qui t'a créé. It's God who created you. Il t'a prédestiné à ça. He predestined you. Si to tu that, dévies, if you deviate, il te traite comme si tu n'as jamais été un être humain. He treats you like you have never been a human being. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Je me suis senti donc lié à toi. Seigneur, c'est vrai. Ta parole est vraie. Personne n'est libre. Oh, je suis lié à toi, Seigneur. Oh, Seigneur notre Dieu. Une brebis qu'on pousse au bon pâturage. Oh Seigneur, tu me tires chaque jour et je sens ta présence, Seigneur. C'est de moi que tu parles ce soir. Merci, tu ouvres mon esprit pour me dire que je ne suis pas libre. Oh Seigneur, prédestiné, Seigneur, conduit, Seigneur notre Dieu, au bon pâturage, au ciel. Merci, Seigneur notre Dieu, à toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lis pour nous, après ça, on va prier. Lis pour nous Ézéchiel 20, verset 32. Ézéchiel 20, verset 32. Ce sont les principes dont on ne développe pas. Vous allez les développer dans les études bibliques, à la maison.
We are not going deeply. You will do it at home. Quand tu connais le principe, même en lisant la Bible, tu vas compléter les références. When you know the principle, even when reading the Bible, you can get the deepness. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays. Nous voulons servir le bois et la pierre. Amen. Le verset 33. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Amen. Qui veut parler encore? Who can speak again? Il dit, vous ne ferez pas ce que vous voulez faire. So you will not do what you want to do. Vous dites, you say, nous allons vivre comme les païens. We want to live like pagans. Nous irons où nous voulons. We will go where you want. Je veux régner sur vous. He said, I will reign, I will rule over you. Est-ce que tu comprends ça? Do you get it? Il y a des gens ici qui ne peuvent rien faire. Les nous comme ça, on ne peut rien faire. There are people here who Jésus can a posé la main do sur nothing. God has laid his hand on us. On ne verra pas s'accomplir ce que vous voulez faire. What you want to do will never happen. Vous voulez être comme les nations. You want to be like the nations. Vous dites, you say, il dit, je veux régner sur vous. He said, I will reign on you. Si tu ne veux pas, lève la main. If you don't want, lift up your hand. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. L'Éternel. The Eternal. Notez ceci. Write this down. Il ne faut pas flatter l'homme. We must not deceive human being. Bercer son orgueil. Nourrir sa rébellion en essayant de lui montrer qu'il est libre et qu'il peut s'émanciper par rapport à, vis-à-vis de Dieu. And feed his rebellion by showing him that he is free and he can live without God. Une telle émancipation ne peut aboutir qu'au désastre, à la colère embrassante de Dieu. This kind of freedom can just lead to disaster and to abandon God. Lis Deutéronome chapitre 30 verset 19. Frère, Dieu est en train de parler à quelqu'un. On ne verra pas s'accomplir ce que tu imagines. What you imagine will never happen. Dieu est en train de parler à quelqu'un. God is speaking to someone. Quand tu dis, je veux être comme les autres. When you say, I want to be like the others. Peut-être que tu es même déjà en train de faire comme les autres. Maybe you are already doing like them. Comme les familles des autres nations. Like the families of other nations. Je veux servir le bois. I want to serve the wood. Il y a des gens qui disent, moi je suis, moi c'est la tradition, les religions de nos pères. Some says this is the tradition of our fathers, the religion. Dieu te dit. God is telling je you. Je suis vivant. I am living. Dis le Seigneur l'Éternel. Tell God. Je régnerai sur toi. I will rule over you. Je régnerai sur toi. I rule over you. Le Seigneur te dit. The Lord says. Je régnerai sur toi. I will rule over you. Et tu vas détruire le bois and et la pierre que tu vas adorer. The wood and the stone that you worship. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Nous sommes prédestinés. We are predestined. À devenir comme Jésus. To become like nous Jesus, asseoir avec lui to sit with sur him le trône au ciel the throne in heaven, ou de le haïr or to hate et aller dans les flammes de feu. And to go in the flame of fire. Ce n'est pas Dieu qui choisit ça pour toi. It is not God who choose it for you. C'est pour cette raison qu'il est dit quiconque. This is why it says anyone. Quiconque croira sera sauvé. Anyone who believes will be saved. Lis pour nous Deutéronome 30 verset 19. 30, verse 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre,
J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. This day, I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now, choose life so that you and your children may live. Amen. Vous notez ceci. Write this down. Le croyant travaille donc jour et nuit à son salut pour le garder. So the believer must work day and night for his salvation and to keep it. Les vrais croyants travaillent pour conserver le cadeau que Dieu leur a donné. So true believers work to keep the gift that God has given them. Ce travail du croyant, this work of a believer, n'exclura jamais la réalité que le salut est acquis gratuitement. Will never exclude the reality that salvation is acquired free of charge. Ne pense pas que en fuyant le péché, don't believe that while flying away from the sin, tu es en train de renoncer au don gratuit. You are renouncing the free gift. La sagesse veut que tu conserves précieusement le don gratuit. The wisdom wants you to keep preciously the free gift. Et il y a un travail conscient, sacrificiel, pour garder les cadeaux que Dieu nous a donnés. And there is a conscience and a costly work to keep the gift that God has given us. Quand vous allez rencontrer les moqueurs, when you will meet, il dit, toi tu ne bois pas la bière. Oh, tu vis dans la loi. When you will meet mockers, they say you don't drink beer, so you are living under the law. Faut pas l'écouter. Don't listen to him. Dieu a mis devant chacun la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. God has put before each one life and death. Et il commande. Et il commande qu'on choisisse la vie. And he orders that we choose life. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand on se repent, when we repent, on travaille pour conserver son salut. We work to keep our salvation. C'est pour cette raison qu'il dit, tombe-t-on sans se relever? This is the reason why he says, can someone fall down without getting up? Que personne ne te trompe. Qu'en roulant dans le péché, la grâce va agir pour toi. Personne ne te trompe. Let no one deceive you, telling you that when you are turning in the sin, the grace will work for you. Vous notez ceci. Write this down. La prédestination n'est pas une fatalité, ou alors n'est pas le fatalisme. Is not a fatality. Ou le fatalisme. Or fatalism. Ce n'est pas que Dieu t'a destiné à marcher seulement à gauche, 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 it gauche, donc tu ne peux rien faire. I settled you to walk on your left, 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 left. Et on t'a placé sur un chemin, le chemin de l'enfer. Tu n'as plus, tu ne peux plus rien faire. Tu es déjà sur le chemin. You are already on the way of hell. Destiné à tomber dans les flammes. Non. You are destined to fall into the flames. No. Ce n'est pas ça que la prédestination veut dire. This is not predestination. Vous notez que elle est une vision des hommes et des choses. It is a vision of human being and of things. Dans la pensée de Dieu. In the thought of God. Qui peut déjà savoir? Who can already know que ces deux petits qui sont dans le sein de leur mère, that those two kids who are in the womb of a mother, celui-ci doit être le plus grand. This one should be the bigger. Parce qu'il connaît le futur. Because he knows the future. Il connaît le passé. He knows the past. Il connaît le présent. He knows the present. Il connaît le futur. He knows the future. Il y a, si je laisse certaines personnes venir témoigner comment ils ont senti que un jour ils allaient servir Dieu, vous serez étonné. If I let some people come and testify how they feel that one day they will serve God, même you will just be amazed. Même en se prostituant, even when they were prostituting, ils savaient que ils étaient appelés. They knew that they were called. J'ai modifié
la prière de l'Église catholique à 12 ans. J'ai enlevé tout ce qui était les anges, tout. J'ai laissé notre Père qui est aux cieux. Et quelques paroles là, c'est fini. I modified the prayer of the Catholics, Roman Catholics, when I was 12. I just removed things. I removed some things and I just kept what is Notre Père. Quelque chose en moi me disait, parle à Dieu seulement. Something in me, you told me, speak to God only. Ça c'est quoi? What is that? Ça c'est la prédestination. This is predestination. Combiné avec l'élection. Combined with election. Chacun vit ces expériences là. Each of us experience that. Ça c'est des doctrines pour les vrais enfants de Dieu. Ce n'est même pas pour prêcher l'évangile dehors. For c'est pour the true children enflammer of God, les enfants de Dieu. Is to inflame the children of God, not quand for people tu sais outside. Qui tu es. When you know who you are. Non, tu es puissant. You are powerful. Et c'est ce que le Seigneur veut produire. This is what God wants to produce. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Practice. Dieu connaît l'homme. God knows human being. Dieu appelle l'homme. God calls human being. L'homme répond à Dieu. The human being reply. L'homme répond à l'appel. They reply to the call. L'homme est justifié. The human being is justified. Si l'homme ne répond pas à l'appel, if the man does not reply to l'homme est condamné. Call, he is condemned. Parce qu'il n'a pas répondu à l'appel. Because he has not replied to the call. Ésaïe 50, verset 1 à 3. Isaiah 50, verse 1 to 3. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Amen. 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 Quand Dieu appelle, when God calls, pourquoi te tais-tu? Why do you keep quiet? Dans les desseins de Dieu, in the purposes of God, on doit répondre à l'appel de Dieu. Dans les desseins de Dieu, in the purposes of God, l'homme doit répondre à l'appel de Dieu. Man should reply to, should answer God's call. Quand Dieu t'appelle, when God calls tu entends, you hear, tu ne réponds pas, and you don't answer, tu as déjà des problèmes. You already have problems. Et si tu ne réponds pas, and if you don't answer, tu seras jugé. You will be judged. Si tu réponds, if you reply, alléluia, amen, il te justifie. He justifies you. Et puis, and il te dit, il faut être comme mon fils. He tells you, be like my son. Et il te couronne. And he crowns you. Alléluia. Amen. Il t'honore. He honors you. Quelques personnes vont prier, cinq personnes prient. Oui, venez prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci de ce que tu nous as parlé. Tu nous as accordé la grâce de connaître ta pensée, de comprendre, oh Père, que tu nous as prédestinés. Oh la bagache, oh la bagache, oh la bagache, oh la bagache. Nous te bénissons parce que, oh Père, tu n'as pas prédestiné certains pour aller en enfer. Et c'est un poids aller au ciel. Mais, oh Père, tu as mis devant nous la vie et la mort. Et tu nous demandes de choisir, oh Père. Oh la bagage, oh la bagage, oh la bagage, que tu es bon. Tu n'es pas injuste, oh Père. Tu n'es pas injuste, tu es juste. Dieu te bénit, oh Père, de ce que tu es juste. Que ton nom soit béni. Merci, oh Père, de ce que tu m'as prédestiné au salut. Merci, oh Père, de ce que tu m'as appelé, oh Père, à l'évangélisation. Je te bénis devant toute la gloire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci de briser mon orgueil, la vantardise. Oh, la liberté, la prétendue liberté de l'homme, Seigneur. L'homme n'est pas libre. Aucun n'est libre. Aucun ne s'est conçu lui-même.
Aucun ne s'est mis dans le ventre de sa propre maman. C'est toi qui nous as créés. Mais quand nous naissons, les petites philosophies de la terre nous font croire que nous sommes libres. Nous pouvons vivre comme nous voulons sans toi. Et ce soir, tu nous rappelles à l'ordre. Je ne suis rien, je ne connais rien. Je ne vaux rien, je suis ce que je suis grâce à toi, Seigneur. Qu'ai-je fait? Si j'ai 35 ans aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour être là? Pourquoi les taux sont-ils morts et que moi je vive encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Quel orgueil, quelle vantardise. Seigneur, brise davantage notre façon de voir les choses. Notre petite pensée est désagréable à tes yeux. Pardonne, Seigneur, pardonne. Pardonne notre vantardise, pardonne notre... Oh, notre orgueil. Nous pensons être quelqu'un. Et nous voulons être loin de toi. Nous voulons nous séparer de toi pour faire ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire sans toi? À l'origine, c'est ta présence qui fait de nous des êtres humains. Dès qu'on se sépare, nous sommes comme des animaux. Pourquoi insister? Merci Seigneur pour cette ouverture d'esprit qui me convainc de rester tranquille et de ne chercher qu'en toi, oh, de toute la valeur que je voudrais. C'est en toi que cette valeur se trouve. C'est en toi que je dois creuser pour chercher ce que oh, tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci. Parce que tu m'as parlé ce soir, Seigneur. Ça, c'était mon plus gros problème. Parfois, vouloir faire les choses comme je voulais, Seigneur. Et ça, vraiment, c'était difficile. Tu me ramènes. Et moi, je veux changer les choses. Merci, Seigneur, de me dire, oh Seigneur, que je ne suis pas libre de faire les choses comme je veux. Je ne suis pas libre de vivre comme les autres. Je ne suis pas libre de décider comme je veux. Parce que tu m'as choisi pour régner sur moi, Seigneur. Seigneur, je t'ai dit, je suis d'accord. J'accepte de me plier à ce que tu dis. J'accepte, Seigneur, de ne plus lutter avec toi. J'accepte, Seigneur, de ne plus vouloir vivre comme les autres, mais comme toi tu veux. Et je prie que tu me donnes cette force-là, Seigneur, d'y arriver, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un veut donner la vie à Jésus pour qu'on prie pour lui, lève-toi, tu viens ici. Si tu veux donner la vie à Jésus, lève-toi, tu viens. If you want to give your life to Jesus, stand up and come. Dieu t'a choisi. God has chosen you. Et Dieu t'appelle. And God is calling you. Lève-toi et viens. Stand up and come. Dieu t'a choisi. God has chosen you. Et Dieu t'appelle. And God is calling you. Lève-toi et viens. Stand up and come. Est-ce qu'il y a un rétrograde qui veut revenir? Is there a backslider who wants to come back? Oui, venez rapidement. Please come quickly. Satan est vaincu. Satan is overcome. Levez vos mains. Dites Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te donne ma vie. I give you my life. Je te donne ma vie. I give you my life. Je te prie de me pardonner. I beg you to pardon me. Je croyais que j'étais libre. I thought I was free. Je suis allé vivre dans le péché. That I can live in my sins. Et tu m'as dit. And you told me. Que je ne suis pas libre. That I am not free. Que je dois me soumettre. That I must submit myself. Tu as dit. You said. Que tu veux régner sur moi. You want to reign, rule over J'accepte. Me. I accept. Il faut régner sur moi. Please rule on me. J'accepte. Please accept. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. S'il te plaît, Seigneur. Please, Lord. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen.